Les yeux bien ouverts vous accueillent aujourd'hui du côté de Saint-Sever, à la MJC plus particulièrement, où travaille le groupe Phyllis Hot Loaders, un quintet rouennais qui devait initialement se produire au festival Les Faits Divers à Louviers, un événement annulé. Du coup, ils travaillent actuellement sur leur prochain projet, Ballroom Masters, qui devrait avoir lieu à Pont-de-l'Arche en mars, une version bal de leur fanfare déambulatoire habituelle. L'idée de départ de la fanfare, c'était de monter un répertoire swing pour faire danser, toujours pareil, que ce soit une musique festive. Puis petit à petit, on a rajouté des chansons, on a commencé à tirer un petit peu vers le rock'n'roll. Donc c'est aussi un mélange de ces deux images-là qui nous correspond. C'est du swing, mais pas trop non plus pincé, cravate, chemise, tout ça. Non, il y a quelque chose d'un peu plus rock'n'roll. Phyllis Hot Loaders, c'est d'abord un projet pour faire la fête, pour s'amuser, pour moment de fête, ouais, un partage. Voilà. Donc, bon, évidemment, tous les cinq, on s'amuse, mais. Mais ce sera mieux avec vous, quoi. Là, on travaille sur les nouveautés 2021, notamment le Ballroom Masters, qui est une version bal et donc interactive avec le public, puisque Colin, ici présente, va nous apprendre quelques petites chorés pour justement être encore plus dans l'énergie du groupe avec le public. Pour aujourd'hui, j'espère que cette découverte vous a plu et vous a donné envie de danser. À bientôt et surtout, gardez les yeux bien ouverts.